D'abord, je ne peux pas dire que ça ressemble à quelque chose que j'imaginais, parce que comme on a fait de la co-construction, le rassemblement s'est construit petit à petit, et l'aboutissement est en fait tout ce que les diocèses ont pu amener. Donc je n'imaginais rien et je me suis laissé surprendre. Alors la surprise est belle, ce qui se vit est absolument merveilleux. Je crois que là, on assiste à une naissance de la fraternité, et je suis très heureux que dans le diocèse, on ait choisi comme thème « Osons la fraternité ». On l'a osé, on a réussi à emmener plus de 50 personnes, 50% de personnes en précarité sur une délégation de 63 personnes. On a vraiment une fraternité qui s'installe au sein de notre délégation et qui se partage à travers toutes les délégations que l'on peut rencontrer. Tous les jours, c'est une nouvelle rencontre, c'est l'attente de la rencontre dans cette basilique Saint-Pédis. C'est vraiment quelque chose de merveilleux et que l'on vit. Heureusement que les personnes qui sont restées dans les diocèses peuvent le vivre à travers Internet, parce qu'il y a vraiment quelque chose là de merveilleux.